Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à une petite guidance, ce message de mon autre pour savoir où il en est au niveau de sa réflexion, ou, ce qu'il fait actuellement, si vous n'avez plus de nouvelles de votre chéri ou si vous ne savez pas trop ce qu'il pense. Voilà, on va regarder ça. Hein. Plusieurs oracles, je vais faire un tirage avec plusieurs oracles aujourd'hui. Hein. Ça ne va pas être trois jeux, ça va être plusieurs. Hein. Voilà. Alors d'abord, je vais faire l'oracle de Gaptrie, de Valguidance. Si vous souhaitez commander son oracle, c'est Valguidance et Oracle, hein, que vous pouvez trouver sa chaîne YouTube sur... pas sur YouTube, hein, elle fait comme moi, c'est le même genre de vidéo, donc n'hésitez pas, c'est quelqu'un de très sympa. Et j'aime beaucoup son oracle, il est bien fait, il est simple et c'est des belles images, voilà. Allez, on y va, on va regarder ça. Alors, le message de votre autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre? Alors, on vous dit qu'émotionnellement, votre autre est en train de travailler la trahison ou une trahison. Peut-être que dans votre couple, il y a eu des complications dernièrement, ou peut-être qu'il y a eu des complications avec peut-être des amis, la famille. En tout cas, il y a une trahison qui lui a fait mal. Et là, on voit avec l'eau qu'il est en train de nettoyer ça, hein, il est en train de travailler ça. Hein. Allez, on va regarder ça de plus près. Voilà, on me dit qu'il a, il est en train d'essayer d'ouvrir ce carnet secret, enfin ce coffre secret pour y faire sortir peut-être la lumière. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de... Je pense qu'il est, il arrête de se mentir peut-être à lui-même sur certaines choses. Hein. Il y a peut-être des choses qui étaient enfouies en lui depuis longtemps aussi par rapport à certaines choses. Hein. Voilà, on me parle d'un homme. Alors, si c'est un homme pour qui vous regardez cette vidéo, on me dit, voilà, il est en train d'essayer de remettre de l'ordre au niveau du cœur. Vous voyez, ce faisceau lumineux au niveau du cœur. Voilà, on voit qu'il a envie de retrouver quelque chose de beau face à la malchance. On me dit, il essaye de se rétablir. Hein. Il y a eu vraiment une période de ruine dans sa vie. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Il a perdu des choses ou peut-être perdu confiance. Mais on retrouve le soleil. Vous voyez, le soleil, il est ici aussi dans son cœur. Voilà, il y a quelque chose qui reprend en tout cas. Hein. Donc c'est déjà pas mal pour lui. Hein. C'est qu'il va aller déjà mieux. Hein. On va faire encore une autre ligne. Voilà, on me dit qu'il va être touché par la grâce. Vous voyez tout ce jeune, hein, c'est beau. Hein. C'est qu'en fait, la lumière arrive sur lui hein, ou sur elle. Hein. Ça peut être une femme également. Hein. Voilà, il y a quelque chose en tout cas. Cette personne va être touchée par la grâce. C'est-à-dire qu'elle va être récompensée par le divin, aidée par le divin. Elle n'est pas seule. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a la justice qui revient. Donc cette personne va retrouver un équilibre. Elle va essayer de se remettre bien en phase. Hein. Je pense qu'elle a besoin de... Cette personne a vraiment besoin d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Alors, soit dans votre couple, hein, soit dans peut-être dans les personnes extérieures qui l'ont beaucoup peut-être embêté dernièrement à cause de tout ça. Bon, en tout cas, ça a beaucoup... on me dit qu'il a eu besoin d'aide. Hein. Cet homme a besoin, ou cette femme a eu besoin beaucoup d'être aidée. Mais là, ça y est, on me dit par contre, le soleil, c'est la femme. Alors, si vous êtes un homme, c'est la femme, c'est donc votre autre qui est votre rayon de soleil, peut-être qu'il se rend compte qu'en fait, vous êtes d'une grande aide pour lui ou pour elle. Voilà, en fait, on inverse, vous prenez comme vous pouvez. Hein, et on vous dit, voilà, le soleil, c'est l'autre personne. Voilà, il pense à une personne en particulier et c'est vous, son rayon de soleil. Hein. Donc, sachez-le, hein, vous pouvez être d'une grande aide pour lui ou pour elle. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs, hein, quelques cartes également. Bon, c'est plutôt pas mal hein, le début. Hein. Bon, ça reste un tirage général, hein, je vous le dis. N'hésitez pas à aller voir la playlist qui existe déjà. Vous pouvez trouver sur ma chaîne une playlist avec tous les... tirage intemporel que j'ai fait depuis des mois et des mois. Hein. Donc, ils sont toujours valables. Hein. Vous pouvez aller les regarder, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de question de temps pour les tirages intemporels. Et pas de question de signe, pas de question d'homme ou femme, d'âge ou je ne sais quoi. Hein. Il n'y a pas de mois, il n'y a rien. Hein. Vous pouvez regarder quand vous le souhaitez. Le titre, si ça accroche, voilà, c'est que vous pouvez peut-être avoir un message pour vous. Hein. N'hésitez pas à me demander un tirage personnalisé si vous avez besoin. Hein. Je suis à votre disposition. Je fais des tirages à partir de 20 euros. Donc, c'est patiangel@outlook.fr. Patiangel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. J'ai aussi une page Instagram que j'alimente de temps en temps. C'est patiangel... je ne sais jamais. Je crois que c'est... je ne sais plus. Il y a un chiffre à côté, mais... Bon, veuillez m'excuser, mais bon, vous allez me trouver facilement. Hein, sinon, vous me demandez en message privé. Allez, on y va. Alors, on me dit...
Il y a la tranquillité qui est en train d'essayer de... Voilà, cette personne, elle est en train d'essayer de, d'être zen, vous voyez. La tranquillité, le Bouddha, c'est vraiment méditer, être plus sain, plus zen. On me dit qu'il y a des compromis. Cette personne fait des compromis actuellement. Alors, peut-être pour elle-même, mais aussi avec les autres. Hein. On me dit la roue tourne, l'argent revient peut-être aussi dans sa vie. Il y a une grande joie qui arrive en tout cas. Hein. On me dit qu'il arrive en fin de cycle. Cette personne va arriver en fin de cycle. Donc, le boomerang, c'est cette personne récolte ce qu'elle a semé. Donc, s'il y a eu beaucoup de déboires dernièrement, elle y a cru, cette personne, et elle va récolter maintenant, voilà, l'argent et la joie. Hein. Il y a vraiment une grande joie qui arrive pour cette personne. Voilà, on me dit elle est beaucoup plus tranquille, cette personne, au niveau de sa maison intérieure. On voit qu'il y a une forme de sérénité, de zen attitude hein, qui va l'aider aussi. Alors peut-être sa famille aussi, il y a peut-être des jalousies ou des trahisons dans la famille aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a une certaine sérénité au sein de la famille également. Voilà, on me parle de nouveaux départs, nouveaux projets. Il y a des choses qui sont en train de germer aussi. Il va y avoir des compromis par rapport aussi peut-être à un nouveau départ, à des nouveaux projets qu'il est en train de lancer. On me dit, il attire, c'est quelqu'un qui va attirer l'abondance. Hein. C'est qu'il est tellement bien en ce moment dans sa peau qu'il attire quelque chose de bien. Hein. On me parle aussi qu'il va avoir des discussions. Hein. Cette personne va avoir des discussions, alors peut-être qu'elle va vous recontacter. Vous verrez, il va avoir une grande joie derrière. On me parle de victoire. Hein. Voilà, et d'engagement. Il y aura peut-être aussi des papiers qui vont signer. Alors peut-être que cette personne va apprendre que va peut-être retrouver du travail ou au niveau de la santé, ça va mieux. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi qu'il va pouvoir peut-être aussi venir vous rejoindre s'il est loin. L'engagement, ça peut être aussi réussir enfin à pouvoir aller de l'avant. Hein. Voilà, en tout cas, il y a des papiers qui signent pour lui. Alors, ça peut être aussi peut-être pour ceux qui sont en triangulaire, si cette personne était en voie de divorcer, il y a peut-être les papiers de divorce qui arrivent enfin également. Hein. Mais bon, pour moi, c'est un très beau tirage. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline. Alors, on me dit que cette personne pense à une union. Il y avait peut-être eu dernièrement des problèmes de santé et là, on voit que cette personne avait besoin peut-être de se retrouver avec elle-même. Mais là, elle pense sérieusement peut-être aussi à vous retrouver. Hein. L'union, c'est pour moi l'engagement. Hein. Cette période compliquée est passée, quoi. Hein. Voilà, on me parle de cadeaux, les présents. On me dit maintenant que cette personne a pris du recul, elle avait besoin de retrouver peut-être une bonne santé aussi, hein, tout simplement. Hein. Maintenant, les cadeaux peuvent tomber. On me dit ça a été une période qui a été assez cassante avec la ruine. Voilà, il y a des choses qui se sont cassées. Des choses du passé aussi, peut-être aussi, qui ont été pas évidentes à gérer. Et maintenant, on me dit, cette personne a fait preuve d'intelligence, de bon raisonnement. Hein. Il a beaucoup réfléchi, il a remis peut-être en place les choses. Il avait besoin de ce timing, hein, et puis c'est tout. Donc là, maintenant, on voit que cette personne est beaucoup... Voilà, elle a compris quelque chose, en tout cas. Alors, on me parle de pourparlers, de choses qui reprennent. Il y a des échanges qui reprennent. On me dit, avoir du plaisir. Hein. Voilà, le plaisir reprend aussi. Il y a vraiment quelque chose qui, suite à cette période de ruine, où c'est loin maintenant, hein, c'est parti ça, hein, ça a pris le large, hein, comme on dit. Et là, on voit qu'il va s'élever par rapport au passé. On me dit que tout son passé était nécessaire, tout ce qu'il a vécu, c'était nécessaire à son évolution. Et chaque épreuve est là pour nous faire grandir. Hein. Donc là, on voit vraiment que cette personne va s'élever. Hein. Il y a une élévation qui est en train de se faire. Il va prendre conscience de certaines choses. Enfin, il a pris conscience. Hein. Et on me dit la famille aussi qui joue un grand rôle. Alors quoi ? Par rapport à la famille, on me dit... Voilà, il a travaillé peut-être aussi des choses qui dataient de sa famille ou quand il était petit hein, aussi, émotionnellement. Hein. Bon, après, ça peut vouloir dire aussi qu'il est en train peut-être de se projeter pour fonder une famille. Il a peut-être besoin maintenant de se dire « Bon, bah, maintenant, ça y est, je me sens mieux, j'ai envie de quelque chose de concret. » On va continuer, hein, voir un petit peu ce qu'il veut faire au niveau sentimental. Hein, parce que là, on a vu un peu le général. Maintenant, on va faire le sentimental. Voir un petit peu ce qu'il pense. Alors, on me dit qu'il a un choix à faire par rapport à son retour. Hein. Vous voyez, donc, il pense au retour quand même. Hein. C'est dans sa tête. Hein. Il ne vous a pas oublié. «
Alors, on me parle de message. On me dit qu'il va vous envoyer un message pour vous parler du passé. Le karma, c'est ça. Hein. On me dit, voilà, comme quoi il arrive en fin de cycle par rapport au passé, qu'il a nettoyé certainement beaucoup de choses, qu'il a compris certainement beaucoup de choses et que maintenant, il veut fonder quelque chose avec l'arbre, c'est évoluer. Et il casse le non-dialogue, c'est-à-dire qu'il a envie de plus de dialogue avec vous, de communication pour pouvoir peut-être aller vers quelque chose de plus fort. Hein. Voilà, on me dit, il y a beaucoup de... Cette personne va vous dire que vous l'attirez énormément, hein, que voilà, vous arrivez en fin de cycle par rapport à la séparation, que c'est terminé ça. Ça va se renouveler maintenant. Il y a une grande phase de transformation, on me dit. Et que voilà, maintenant, il a réglé ses histoires de famille. Hein, tout ce qui était négatif par rapport à la famille, c'est réglé. Maintenant, il peut partir vers un nouveau départ, des nouveaux projets, le bonheur. Waouh, c'est beau, hein? Ah, c'est beau. Donc voilà, il est prêt à s'ouvrir au bonheur. Il est prêt peut-être à vivre avec vous, à venir vous rejoindre. C'est peut-être ça aussi l'engagement, les papiers. C'est acheter une maison ou louer une maison avec vous. Ça peut être aussi faire un bébé. Voilà. Hein, donc, on va regarder l'oracle coup de cœur hein, pour voir un peu aussi. Alors, on vous parle de déclic. Alors là, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bourgeois. Je crois que c'est Amandine Bourgeois son nom. Donc elle a fait plusieurs oracles aussi hein, c'est pas mal, d'ailleurs je pense que je vais acheter son prochain. Alors on vous dit il y a un déclic qui va s'opérer par rapport à l'union, il est prêt, vous voyez on répète encore les choses hein. Parfois ça se répète hein. Alors voilà, on me reparle de la jalousie hein. Il y a eu beaucoup de ressentis de jalousie dans votre relation ou peut-être dans sa vie hein. On parle du consultant. Mais on me parle qu'il y a eu interdiction. Pour le moment, on me dit, c'est pour ça que ça a un petit peu... tout ce qui est jalousie, ressenti, etc. Ça a bloqué votre construction, la construction de votre couple. Ou le fait de pouvoir vous réunir. Hein. On voit que ça a été ça le problème majeur. Hein. Ou ça peut être les jalousies que lui, il a eues avec peut-être son ex. Ça peut être aussi dans la famille. Il y a peut-être eu des soucis au travail ou je ne sais quoi. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de soucis. Là, on me parle aussi au niveau des enfants, peut-être. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème d'enfants dans votre couple? C'est-à-dire les enfants qui ne s'entendaient pas ou les enfants qui... Vous ne supportiez pas ses enfants ou lui, les vôtres. Voilà, il peut avoir ça aussi, la jalousie des enfants. Hein. Mais bon, on me dit, ça y est, maintenant, il y a un peu plus de douceur qui va se mettre en place. Hein. Mettez de la douceur dans vos relations. Le divin est là aussi, on me dit. La plume, c'est le divin. Hein. On voit que c'est une relation qui est très aiguillée par le divin. On me dit, votre consultant a pris du repos, a pris du recul par rapport à ses souffrances. Hein. On me dit, donc du coup, il va pouvoir aller vers vous maintenant. Hein. Vous voyez, on me dit, tout ce qui a été secret, il a pris du recul, il a travaillé beaucoup par rapport à des choses qui étaient enfouies en lui, des souffrances. Hein, voyez. Et on me dit, ça le bloquait tout ça, ça le bloquait pour la construction. Il y avait trop de secrets entre vous peut-être aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. Allez, je vais tirer des cartes maintenant de l'oracle magique du cœur que vous pouvez trouver sur Etsy. Donc, la créatrice de ce jeu s'appelle l'oracle d'Isis. Vous pouvez la trouver sur Facebook, mais pour commander son jeu, vous pouvez le commander sur Etsy, hein, E-T-S-Y. Donc, vous tapez l'oracle magique du cœur et vous allez le trouver. Et vous verrez, c'est un très très beau jeu qui est très bien fait sur le sentimental. Donc n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me le demander également. Sinon, moi, je peux vous mettre aussi le lien sur la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, il y a un choix à faire. Il est temps de faire un choix. Hein. Donc, cette personne, elle va... vous voyez, c'est ce que je vous dis, elle va faire le choix. Parce que, en fait, à un moment donné, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Hein, c'est ça. Hein. Donc, trop de jalousie. Il y avait peut-être, comme je vous dis, des problèmes dans sa famille. Enfin, ça n'allait pas. Il y avait trop d'animosité. Donc, du coup, le divin a bloqué votre relation pour dire, bon, allez, on va se calmer. Chacun de son côté, on va faire les choses. Hein. Donc, je vais tirer quelques cartes. On vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Hein. Vous voyez, c'est un amour divin. Hein. Vous allez recevoir, quelqu'un va vous envoyer un message. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Il y a un message qui arrive vers vous. Et on me dit, ça sera une surprise. Hein. Une belle surprise. Hein. Il y a une surprise qui vous attend. Hein. Waouh, c'est beau. J'aime bien ce tirage. Ces cartes, elles sont belles. Hein. Regardez ça. Très jolie. Avec le petit cœur en plein milieu. J'aime beaucoup.
Puis il est bien parce qu'il est mat, il ne glisse pas trop. C'est juste bien pour, même pour mélanger, c'est top. On peut bien le prendre dans la main. Bon, j'en fais la pub parce que voilà, j'aime bien faire la pub des créatrices qui ont des jolis jeux et elles méritent de... Voilà, qu'on fasse la pub de leur jeu. Hein. Elles ne sont pas connues forcément, donc voilà. Allez, on va tirer maintenant, c'est l'oracle. Alors, pareil, ça, c'est une autre créatrice que j'aime beaucoup également. C'est l'oracle Jardin Secret d'Adaline. Alors, elle, par contre, vous pouvez la trouver sur Facebook. Hein. Adaline, hein. A-D-A-L-I-N-E. Voilà, elle a créé plusieurs jeux également. Hein. Elle a créé aussi un autre jeu du sentimental. Je travaillerai avec la prochaine fois. Alors, on vous dit, ne doute plus. Voilà, il ne faut plus douter, donc votre hôte ne va plus douter non plus. Il y a eu une pause, hein, il y a eu un moment de pause dans votre vie, mais maintenant vous êtes prêts à la romance. Eh bien, dis donc, on va tous dans le même... hein, voyez, hein, les cartes, elles vont tous dans le même truc. Hein. Bon, là, celui-là est petit, c'est bien aussi, hein, ça ne prend pas de place. Allez, on va demander aux anges de l'amour et puis j'arrêterai là. Hein. Alors, dites-moi si vous voulez des tirages plus longs ou si je peux améliorer avec autre chose. Hein, voilà, dites-moi. Ou si ça, c'est suffisant. Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, donc ça, c'est ça. À mon avis, votre autre a dû apprendre à pardonner. Il a appris des choses, on l'a vu hein, tout à l'heure. Il a libéré le passé pour pouvoir ouvrir son cœur à une nouvelle énergie d'amour. Et là, vous êtes prêt à travailler sur votre couple maintenant. Hein. Donc, plus de jalousie, essayez de vous faire confiance. Hein. Voilà, on vous dit, mais attention aux dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Ne soyez pas dépendants l'un de l'autre. L'amour, c'est être côte à côte, vivre ensemble sur le même chemin, mais être côte à côte, ne pas être emmêlés l'un à l'autre. Vous voyez, il faut laisser l'autre aussi... voilà, agir, s'il a envie de faire des passions, s'il a envie de d'aller voir des amis ou autre, faut garder confiance, hein, c'est important. Hein. On ne doit pas être dépendant de l'autre, c'est pas bon. Si on est dépendant, c'est qu'on l'autre vient nous alimenter des vides, et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager aussi auprès des personnes qui ne connaissent pas, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie tous, je vous embrasse tous. Je sais que vous êtes partout dans le monde et je suis très fière, voilà, je suis contente de pouvoir vous amener un peu de lueur, d'espoir. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et à bientôt, au revoir.